Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Frances en tu vida. Aujourd'hui, on va voir des verbes à construction multiple. Verbos que tienen distintas formas et distintas construcciones. Aujourd'hui, on va en voir trois avec plein d'exemples. C'est parti. Le premier verbe, c'est le verbe manquer. Manquer es un verbo del primer grupo, como lo ves, R final, manquer. Bien. Cuando tenemos manquer de... Ça, c'est ne pas avoir suffisamment de, no tener suficiente, par exemple, temps. Hein? Je manque de temps. Je manque d'argent. Je manque d'énergie. Bien? Falta tiempo, dinero, energía. Todo bien. Et, ou la forme négative, hein? Ce livre ne manque pas d'humour. Hein? Ce livre ne manque pas d'humour. Este libro... Digamos, está lleno de humor, no le hace falta humor, está lleno de jajaja. Ok, donc manquer de, primer punto, manquer à quelqu'un. Hein? Manquer es extrañar, hein? Manquer. Por ejemplo, mes amis me manquent, mes amis me manquent, es verdad, mis amigos o mis amigas, extraño, hein? Extraño, beaucoup, beaucoup. Bien, le temps m'a manqué pour achever ce projet. Le temps m'a manqué pour achever ce projet. Me faltó tiempo para terminar este proyecto. Entonces, como lo ves, es quelqu'un o también, bueno, algo, en este caso, el projet. Después, manquer à quelque chose, hein, es, a ver, le président manque à ses promesses. Hein? C'est-à-dire, il ne les respecte pas, no las respeta. Hein? Manquer. Ah, la, 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 la. Et manquer, lo podemos usar también comme rater ou louper. On va dire, Mélanie, que rater ou louper es cuando, por ejemplo, se te va el colectivo, el bus. Oh là là, j'ai manqué le bus. O cuando no logras un examen. Exemple. J'ai manqué mes amis de quelques minutes. Hein? Justo se fueron mis amigos por unos minutos. No los vi. Nous avons manqué un cours. Nous devons le rattraper. Hein? Hemos faltado un curso. Lo tenemos que recuperar. Hein? Ça va. Y tenemos expresiones idiomáticas. Por ejemplo, ça n'a pas manqué. Hein? Ça n'a pas manqué. Lo usamos mucho como diciendo, oh, c'est arrivé. Hein? Hélas. Hein, pasó, por lástima pasó, hein? Ça n'a pas manqué, hein? Ok, ma calme, d'accord? Bien, alors là c'est avec manquer, alors j'attends tes phrases dans les commentaires, hein? Je corrige, no te olvides, me puedes escribir ejemplos, preguntas, los comentarios, aquí estoy para eso. Bien, y vamos con el verbe passer ou se passer, hein? Pasar o pasarse, bien. Alors là, on a... Passer, del verbo pasar, comme en espagnol, un train passe, hein, un tren pasa. Bien. Le film passe à la télévision, la película pasa en la tele. Oh, esta frase que siempre me da mucha risa, un ange passe. Un ángel pasa, quiere decir que silencio de golpe. Hay un silencio así en la sala, ¿sí? Un ange passe. Bien. Después tenemos passer de... Ah, pasar de algo a otra cosa. Je lui passe facilement du rire aux larmes. Hein, je lui passe facilement de la risa à la lágrima. Bon, c'est ça. Passer de... Ah. Des fois, tenemos passer avant ou passer après. Pasar antes o después. Mes enfants passent avant tout. Hein, mis hijos pasan antes que todo. Hein, voilà, c'est ma vie, c'est mes enfants. Et moi, je passe toujours après. Hein, yo paso siempre después. Bien. Passer sur quelque chose, hein, passer sobre algo. Alors, je passe sur mes défauts, hein, c'est-à-dire, je pardonne, hein, j'essaie d'oublier. Hein, passer sur quelque chose, voilà. Mago la ciega et ouais, ça va. Bien. Y passer, alors là, c'est y passer, alors c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que par exemple, c'est j'ai eu un accident de voiture, j'ai failli y passer. Cuando decimos y passer, casi me muero. Hein, tuve un accident de coche, j'ai failli. Y passer, hein, casi me muero, j'ai failli y passer. C'est très triste. Bien. Passer pour, pasar por, il passe pour un ignorant. Ah oui, c'est ça, un
ignorante. Elle passe pour une folle, hein, être considérée comme, ta considérée comme loca. Hein. Elle passe pour, pasa por, bueno, comme en Espagne, pasa por loco, pasa por. Non, c'est pas mon cas. Se faire passer pour, hein, ça se passe por, il a trompé tout le monde et s'est fait passer pour un diplomate. Hein. Engañó a todos, hizo pasar por un diplomate. Bien. Y passer du temps a más infinitivo, pasar tiempo a más el infinitivo. Por ejemplo, j'ai passé la journée à travailler. Elle passe sa vie à voyager. Qué suerte. Elle passe sa vie à voyager. Ella pasa su vida viajando. Qué suerte. Nous passerons les fêtes en famille. Pasaremos las fiestas en familia. ¿Ça va? Y la última, se passer de. Je ne peux pas me passer de chocolat. No puedo pasar, en el sentido, no puedo estar sin comer chocolate. Hein? Ou je ne peux pas me passer de toi. No puedo. Es como decir, vivir sin vos. Eh? No, no puedo. No puedo. Y termino con el último verbo para que el video no sea tan largo y que vos te quede bien todo lo que estoy explicando. Remettre, que es volver a poner u. Se remettre si es pronominal. Hein? Remettre quelque chose à quelqu'un, hein? Entregar algo. Bien? Les élèves remettent, rendent, hein, devuelven, leur travail au professeur. Bien. Remettre quelque chose à plus tard. Hein? Siempre estirar, estirar, decir, bueno, lo voy a hacer, y pasa el tiempo. Et luego, bueno, eso no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. La réunion a été remise à mardi, c'est-à-dire, elle a été repoussée, elle a été reportée. Bueno, en este caso, bueno, hein? Culpa, hein? Entonces, voilà, remettre quelque chose à plus tard. Hein? Bien. Se remettre de. Se remettre de. Ils ont du mal à se remettre de leur accident. C'est-à-dire, ils ont du mal à se récupérer. Hein? Les cuesta recuperarse después de haber tenido el accidente. Y así. Se remettre de. Hein? Se remettre de ses émotions, por ejemplo. Hein? Y la última, se remettre à faire quelque chose. De nuevo, volver a hacer algo que estabas haciendo. Par exemple, après un an d'interruption, elle s'est remise à la danse. Hein? Después de un año d'interrupción, volvió a bailar. Elle a recommencé à danser et c'est magnifique. Bien, expression idiomatique, terminamos. Il m'a remise à ma place, me puso en mi lugar. Bien, il m'a remise à ma place. Mais c'est non, Mélanie, non, non, non. Bon, il m'a remise à ma place. Boum. Il faut remettre les pendules à l'heure, hein, les pendules, los pendules en horario, okay. Voilà, hein, ok. Et elle se remet toujours en cause, hein, siempre se piensa, dice, ay, porque hice esto, elle se remet toujours en cause. Hey, están los vecinos, están contentos. Donc voilà, j'espère que ça a été utile pour toi, cette vidéo, je pense que oui, parce que ce sont des verbes, voilà, qui ont plusieurs constructions et il est nécessaire de les utiliser, vu que c'est très usuel, hein, son verbo realmente muy usuales, así que espero que lo uses. Bon, n'oublie pas, hein, de me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, si ça a été utile pour toi, pulgarcito, si te sirvió. N'oublie pas que tu peux me trouver sur Instagram, estoy todos los días, la verdad que estoy todos los días, subo diálogos, dictados, hago live con otros profesores. Así que c'est super et merci pour votre gentillesse à chaque fois, los comentarios, gracias por el cariño, hago todo con el corazón, como siempre lo digo. Así que on se voit samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si quieres que te explique algo en particular, déjame un mensajito y yo armo el video, hein? No tengo ningún problema. Je te fais un gros gros bisou, bonne journée et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo de Frances en tu vida. Ciao.